E si chiama agua resistenza, si chiama un cusperenza, a ragion di uso ludo. Uno di più assassinato, uno di più ghiascato, perché la vincia di verità. La 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 la. Mille di più assassinati, mille di più che sono cascati, ma vinto la libertà. Alors la lettre F, F comme famille. Famille comme fondement, donc cette famille qui m'a toujours soutenu, qui m'a toujours aidé, qui a toujours été derrière moi, mon père, ma mère bien évidemment, et puis aujourd'hui mon épouse et mes enfants qui me suivent. F, c'est aussi l'initiale du studio que nous avons monté avec mon ami Chris, donc Avad, et qui me permet aujourd'hui de travailler dans de nouvelles conditions. Alors F, c'est aussi... Pour parler un petit peu plus de musique, c'est la marque de ma guitare fétiche, c'est Fender, la guitare électrique, qui berce mes mélodies. J'ai été, il y a 25 ans de ça, bon, sûrement pas le premier, mais l'un des plus assidus à travailler ce côté guitare électrique dans le chant corse. Je continue encore aujourd'hui. F, c'est aussi mes flûtes. Hein. J'ai peut-être un petit peu délaissé ma Fender ces derniers temps pour mes flûtes irlandaises, mais c'est aussi un F. La lettre P, P comme Passione. Passione est le groupe auquel j'appartiens. La passion du chant. Cette passion, il n'y a pas que le chant, il n'y a pas que la musique, hein, puisqu'on peut être aussi multicasquette. C'est la passion pour la physique, qui commence aussi par un P, en particulier l'astrophysique. Donc les planètes, les pulsars, Proxima du Centaure, etc., etc. Bon, et puis, ne l'oublions pas, c'est aussi l'initiale du prénom de Patricia, qui est mon épouse. X, comme les rayons X, et on en revient à mon côté physique et astrophysique, physique quantique, dans laquelle je suis, je me penche actuellement avec pas mal de bouquins de Stephen Hawking. C'est très très compliqué à comprendre et ça m'énerve. C'est pour le chant, évidemment, pour le chant en Corse, mais aussi pour le chant celtique. Donc le C, c'est Canta Bupulu Kurtsu, c'est les Tiamadialesi. Mais on pourrait aussi le décliner à la manière des Corses ou des Chieftains, donc cet échange et cet aller-retour permanent entre la Corse et le monde celtique qui m'anime depuis déjà pas mal d'années. Non,
va sans dire. Comme musique, comme muse, pourquoi pas, comme magie, puisque la musique doit être aussi cette magie des notes et des mots, comme Merlin, comme Morgane, toute cette littérature qui a nourri mon imaginaire. Et puis le M, c'est aussi l'initiale de Marc-André, qui est mon fils aîné, actuellement en voyage loin d'ici, dans une ville qui commence elle aussi par M, qui s'appelle Montréal, qui continue ses études. W, je ne sais pas, moi, c'est pas une lettre qui existe en langue corse, que c'est pas une lettre qui est utilisée, pourquoi cette question? Why? La lettre L, on a parlé de ce qui me nourrissait, et principalement ce sont les livres. Beaucoup de livres issus des mythes et légendes, qu'elles soient médiévales, qu'elles soient d'ici ou d'ailleurs. Hein. Ces livres qui m'ont permis aussi d'écrire et de puiser toutes mes sources d'inspiration. Le L, c'est aussi, puisque j'ai parlé de Marc-André, il fallait que je parle de Luke, qui est mon deuxième fils, voilà, qui est actuellement à Corté et qui joue avec moi sur scène aussi, qui partage ce petit moment de folie et de plaisir. Le H, qu'est-ce que je pourrais dire sur le H? C'est hyper difficile. La lettre T pour finir, c'est T comme transmission. Je suis enseignant et il me paraît évident que la mission première d'un enseignant, c'est de transmettre son savoir. Et puis la transmission aussi au niveau de la culture, de la langue. Tout ce travail que nous faisons, en particulier avec Passion, sur le chant polyphonique. Cette transmission qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous a incité, mon fils et moi, à jouer ensemble sur scène. C'est un petit peu le maître mot du travail qui commence aussi par T, que j'effectue depuis des années et des années. Vale magia, l'incanto nascia uzzitello che pinciula in me. Dolce pazzia a chi crede saper sul mondo bugia, ohimè. Pace e allegria lì si deve voler, sognà una gria che piace. Questa fantasia, e sì, io volia dirti che mi piace vedente. Questa fantasia, e sì, io volia dirti che mi piace di credere. Vinta.